Bonjour, nouveau point de situation en Ukraine au 28 juin 2021. Pour quelques informations générales, la République tchèque a annoncé qu'elle avait épuisé une grande partie de son matériel militaire et qu'à l'avenir, elle ne pourra plus aider l'Ukraine comme elle l'avait fait jusqu'à présent. L'Ukraine va recevoir de la part de la Norvège le système de défense anti-aérienne Nassans, qui opère à courte et à moyenne distance. Ensuite, sur le terrain, on va commencer donc dans le secteur de Kharkov où de nombreuses unités ukrainiennes ont été envoyées dans l'Est pour renforcer les défenses ukrainiennes, notamment sur Dissichansk. et pas d'évolution donc sur la ligne de front, donc dans le secteur de Kharkov par rapport à hier. Ensuite, dans le secteur de Izium, donc je vais dézoomer pour vous montrer, on a Kharkov ici et Izium est ici, donc au sud-est. Alors sur Izium, une frappe de l'artillerie ukrainienne a bombardé un poste de commandement russe dans la ville, même donc de Izium, et apparemment avec un HIMARS, un petit peu plus au nord. Donc dans la commune de Dovlavivka, donc qui est ici, les Ukrainiens ont repoussé une attaque russe dans ce secteur. Par contre, un petit peu plus au sud, les Russes se sont emparés du petit village de Nortivka, qui se trouve ici. Du côté ukrainien, on s'attend à une attaque donc, des Russes sur euh, le village de Shepil qui se trouve ici. Sur la ligne de front donc, de Izium, pas d'évolution ces dernières euh, 24 heures. Euh, toujours un manque d'informations sur le secteur de Tetianivka et euh, Prishib ici. Et euh, aux dernières nouvelles, Dolina et Borodichne ici sont disputés. Donc voilà pour ce secteur. On va maintenant aller sur l'Isichansk. Donc je vais zoomer. Donc on a bien le Donbass ici et Lishishansk, c'est la dernière ville qui se trouve donc dans la région de Louhansk. Alors sur Lisichansk, la situation s'aggrave pour les Ukrainiens. La ville est, est continuellement bombardée par l'artillerie russe. Les Russes auraient installé un ponton sur Shipilovo, qui se trouve ici, afin donc de progresser dans ce secteur. Mais cette information reste à confirmer, puisqu'on n'a pas eu de confirmation visuelle sur ce ponton. Au sud de Lichisansk, Bilaura est maintenant contrôlée par les Russes, tout comme à l'ouest, Boksho-Yarivka et Topolivka, ici. Il y a donc des combats donc, dans la raffinerie de Lichisansk, qui se trouve ici et également à l'ouest de ces dernières, jusqu'au village de verkno kamanskyi, qui se trouve ici. Donc comme vous pouvez le constater sur la carte, donc ces derniers jours, les défenses ukrainiennes dans ce secteur ont rapidement rompu face à l'attaque des Russes. Dans le secteur au sud de la raffinerie de Lichisens, qui se trouve ici, il y a des combats qui sont rapportés donc sur Spirnie, ici, et la ville de Mykolaivka serait repassée sous contrôle ukrainien. Et en parlant donc des Ukrainiens, des renforts sont arrivés dans la ville de Siversk qui se trouve ici. Et Siversk, d'où part donc une route qui est un des derniers liens vers les défenseurs de Lichisansk. J'ai oublié également de vous notifier qu'il y a des combats dans, dans l'usine de Ver qui se trouve ici, au sud de Lichisansk. Et en parlant donc des Ukrainiens également, ils sont en train de constituer une ligne de défense entre Siversk qui se trouve ici, et Bakhmut, qui se trouve ici. Donc, ligne de défense entre Bakhmut et Siversk. Ensuite, sur le front donc, de Bakhmut, euh, les Ukrainiens ont repris euh, Klinovier, ici. Et donc, dans ce secteur, l'artillerie euh, ukrainienne ralentit la progression russe. Et euh, d'ailleurs, en parlant donc, de l'artillerie ukrainienne, euh, a une base russe qui est située à Perevalsk, donc ici, a été euh, bombardée avec apparemment des HIMARS. Euh, donc, si on prend les distances des positions ukrainiennes jusqu'à cette localité, on a une cinquantaine de kilomètres. Donc, ce qui reste dans les cordes du HIMARS. Sur le reste de la ligne de front, il n'y a pas d'évolution, donc, euh, ces dernières 24 heures. Si ce n'est que sur euh, Vuledar, ici, donc, dans ce secteur, les Ukrainiens ont repoussé une attaque sur Yehorivka, qui se trouve ici. Et il y a des combats à l'ouest de Velika Novosilka. Donc Velika Novosilka, c'est la ville qui se trouve ici. Donc des combats sur Vremivka et la petite commune de Novosilka. Et le reste de la ligne de front jusqu'à Zaporizhia est stable. Enfin, sur le dernier front, donc de mykolaiv Kherson, Donc Mykolaiv est la ville qui se situe ici, qui est contrôlée par les Ukrainiens. Et Kerson est la ville qui est ici et qui est contrôlée par les Russes. Donc, dans le nord, ici, les Ukrainiens ont reçu des renforts, euh, et notamment en artillerie, avec des euh, M777. Le petit village de Zelenodolsk a été bombardé par l'artillerie russe. Donc, c'est ce village qui se trouve ici. Des combats ont lieu sur le petit village de Oligné, ici. Sur la ligne de front, le village de David Ibrid, aux dernières nouvelles, est repassé sous contrôle des Russes. Et concernant les villages, à l'ouest, qui se trouve ici, je n'ai pas d'information. Et sur le front donc de Kherson, donc ici pas d'évolution. Et sur le front donc de Kherson, au centre, Kiselivka et Blaustatne sont repassés sous contrôle des Russes, tandis que les Ukrainiens ont repris le contrôle sur Barvinok, qui se trouve ici. Et pas de nouvelles sur les villages de Pravdigny ici et de Soldatsky. La ville de Mikolaïf a également été bombardée ces dernières 24 heures. Et enfin, pour terminer, sur l'île des Serpents, donc qui se trouve ici, un autre pantir russe a été détruit sur l'île. Donc un pantir c'est un système de défense antiaérienne. Et donc c'est le deuxième qui est détruit ces derniers jours. On note également la présence de plusieurs avions de l'US Air Force qui survolent la Roumanie, donc qui se trouve ici, et le centre de la Mer Noire. Donc, qui se trouve ici, en dehors de l'espace aérien russe. Ainsi que des euh, TB2 Bayraktar. Et on note donc depuis le début euh, de ce conflit qu'à euh, chaque fois qu'il y a des frappes ou des euh, opérations militaires lancées sur l'île des Serpents, l'activité aérienne euh, ukrainienne et américaine s'intensifie au même moment. Donc voilà pour les informations du 28 juin 2022. Donc en résumé. Une partie des unités ukrainiennes du front de Kharkov ont été transférées à l'est. L'étau russe se resserre autour de Lysychansk. Côté ukrainien, on note les premières utilisations du HIMARS sur les emplacements militaires russes situés en arrière de la ligne de front. Et également un bombardement et une activité aérienne soutenue autour de l'île des serpents. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.